D'autres travailleurs de la santé de la région ont répondu à l'appel de François Legault. Des infirmières qui sont parties prêter main forte du côté de la Montérégie et on les a rencontrées juste avant leur départ. Parmi les membres du personnel soignant qui ont levé la main, qui ont répondu oui au premier ministre Legault pour travailler dans d'autres régions de la province, c'est quatre infirmières de l'Institut de cardiologie et de pneumologie de Québec. Elles sont parties mardi soir pour au moins deux semaines aider leurs collègues au 6 de la Montérégie-Est, où la situation est plus complexe. On est en mesure d'aller soutenir d'autres centres parce qu'ici, ça va très bien. On n'a pas de transmission auprès des travailleurs de la santé. Nos mesures, on les applique rigoureusement. Puis, on n'a pas non plus de transmission auprès des autres usagers hospitalisés. Donc, on peut aller soutenir les autres équipes ailleurs. C'est sûr que ça serait mentir dire qu'on n'a pas de stress. Ça va quand même dans une région où il y a beaucoup plus de cas qu'ici à Québec. Mais on est tous excités. Là. On va aller prêter main forte. On a bien hâte de voir comment ça se passe là-bas. Si le besoin se fait sentir, elles pourraient prolonger leur travail là-bas pour une durée maximale d'un mois. C'est vraiment une expérience extraordinaire dans le sens que on n'espère pas vivre ça à nouveau dans notre carrière, une pandémie. Donc, c'est sûr que on s'y prêtait volontiers. Moi, je vois ça comme on est une grosse équipe, tous les travailleurs de santé ensemble. Donc, je crois que en soutenant, on est capable d'arriver à de quoi de bon. Ces infirmières s'ajoutent aux 15 employés du CHU de Québec déjà déployés à Laval en début de semaine. D'autres départs sont prévus prochainement, notamment trois autres infirmières de l'Institut qui doivent partir au cours des prochains jours à destination de Montréal, et ce pour une durée indéterminée. Valérie Chouinard, TVA Nouvelles, à Québec.